Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est maintenant on se retrouve pour la nouvelle vidéo, pour la suite de Super Mario Galaxy. Et on va tout de suite aller faire la comète farceuse qui a été débloquée. Sans plus attendre. Hop. Comète farceuse de la planète des œufs. Comète rouge. Comète rouge, je crois que c'est les comètes où on n'a qu'une seule vie pour y faire, si je dis pas de conneries. Comète rouge en chemin. Je vais faire une save state. Je pense que je vais utiliser des save state. Oui, voilà. Ah non, c'est contre la montre. D'accord. Bon, je préfère quand même contre la montre qu'avec une seule vie, mais... Vous voyez, là, le contour se fait un contour rouge sans. Ah, c'est horrible. Voilà, et ici, je vais faire une save state. Save state. Merde. Bon, 4 minutes, ça devrait aller, hein, quand même. Pas non plus supra long. C'est pas supra long, mais c'est pas non plus supra court. Merde, c'est pas ce truc là. Oh putain, quel con. C'est l'autre. La musique. La musique, quoi. Putain, mais qu'est-ce que tu vas me parler, toi? C'est contre la montre. Bon, heureusement, le temps descend pas quand un luma nous parle. Par contre, pendant qu'on est dans une étoile, le temps il descend. Il est où le dernier morceau? Il est où? Il est où? Oh putain, oh non, me dis pas que je vais perdre tout le temps à chercher le dernier morceau là. Please. Il est où le dernier morceau? Il est où? Ah, il est là. Non, allez vite, dépêche. J'ai presque plus de temps. Il ne reste que 2 minutes. Mec, si je meurs comme une merde, si je me fais toucher comme ça à chaque fois. Mais c'est pas possible! Crève, enculé. Oui, je m'énerve, mais bon, j'ai pas envie de mourir sur ce genre d'étoile simple, quoi. Ce serait extrêmement honteux. Surtout pour un très bon joueur comme moi. Très bon joueur qui a pas joué quand même depuis longtemps, hein, avant aujourd'hui. Parce que moi, en fait, là, les 4 premiers épisodes sont tournés à l'avance. Hein. D'ailleurs, même peut-être le 5e sera tourné à l'avance. Hein. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Parce que je préfère prendre l'avance, c'est mieux pour moi. Donc ça veut dire que là je vais avoir 1 minute et des brouettes pour battre la piranha là. Je vais galérer. C'est pas possible. Je fais plein de fails stupides, mais c'est pas possible, quoi. Allez! Oui, je prends le temps de prendre les fragments d'étoiles. Allez alors. Là, si pendant la cinématique il fait perdre du temps. Non, c'est bon, y a pas, le temps descend pas. Ah, ça, c'est la musique du boss maintenant, c'est plus la musique de la comète. Allez, vite! Même si le temps descend pas dans les cinématiques, ça me fait stresser quand même en fait. Et en plus, quand il nous touche, ça fait perdre masse de temps parce que ça nous envoie à l'autre bout de la Terre, quoi. Enfin, ça nous fait voler, mais comme pas possible. C'est bon. Wow. Plus de peur que de mal, hein, parce que bon, il me reste quand même 1 minute 7.
Moi qui pensais que j'allais pas avoir le temps. Et n'empêche, t'sais, si genre là il te reste 2 secondes, bah tu perds parce que le temps il descend quand même le temps que t'ailles chercher l'étoile. Mais bon, on a réussi. C'est ce qui compte. Est-ce qu'il y a d'autres comètes farceuses? Parce qu'à tous les coups, là, il y en a eu une autre qui est apparue. Oui, je vais sauvegarder. Voilà, 5 premières minutes, 5 minutes 32, à peu près. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ah, ici, il y en a potentiellement une, mais elle n'est pas là. Parce qu'en gros, là, elle est affichée comme oui, mais il n'y a pas l'image de la comète, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore là. Toi. Oui, bah merci. 75. Voilà. Enfin. Fabrique de gâteaux, à nous les bons gâteaux. Nice, 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 nice. Ok. J'adore cette musique, elle est mignonne, je trouve. Enfin, mignonne. C'est une musique, quoi, mais bon. Je la trouve bien. Oh, putain. Vous rendez compte que la première vie du jeu que je perds, c'est pas dans une étoile perdue ou je ne sais quoi. C'est dans cette galaxie de merde. Ah, je viens de dire en plus que la musique était bien et tout. Puis là, j'ai dit que la galaxie est merdique. C'est pas possible. Mec, j'avais 17 vies. La première vie que je perds du jeu au 5e épisode... C'est, ou quatrième, je crois qu'on... Non, quatrième épisode, pardon. Première vie que je perds, c'est au quatrième épisode et c'est sur cette galaxie-là, quoi. Enfin, comment c'est possible? Je pensais pas que j'étais nul à ce point. Oh putain, save state. Et là, j'utiliserai probablement save state, hein, si je perds encore. Parce que bon, si je perds toutes mes vies là-dessus, ce sera honteux pour vous et pour moi. Parce que bon, regardez quelqu'un qui perd tout le temps. Je me souviens quand j'étais petit, je galérais sur cette galaxie. Ça a dû rester. C'est resté d'ici le temps, c'est toujours là. Enfin, il y a quand même un mec qui a dû s'emmerder à modéliser la plateforme. Il a dû bien se péter les couilles. Et voilà. Je reprends ici. Ça évite de devoir tout refaire, parce que bon, je suppose que vous avez pas tellement envie de me voir me retaper tout, parce que c'est un peu ennuyeux, quoi. Un peu ennuyeux de voir un mec qui se retape 4 fois la même chose. Je suis pas comme ML2G. ML2G, lui, il peut perdre 5 fois sur son truc, sur une galaxie, je ne sais quoi, parce qu'en plus, en ce moment, il fait un hack de Mario Galaxy. Il peut perdre 5 fois sur une galaxie, mais il fera du montage. Enfin, il coupera qu'à la 5e fois, justement. Sinon, il refera en boucle. Il fait pas de coupure. Même s'il a perdu tout au bout de la galaxie, bah, il refera toute la galaxie sans coupure. Ce qui est un peu bête, je trouve, moi. Vu que à la fin, le viewer il s'ennuie. Je sais de quoi je parle, vu que moi-même, c'est moi le viewer dans ces moments-là. Mais voilà quoi, à la fin, le viewer il s'ennuie. Parfait. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre étoile dans cette galaxie. Enfin j'espère. Hein. J'espère. Galaxie complète. Donc il n'y a pas d'autre étoile. Ah. Comète farceuse. Comète farceuse sur la terrasse.
Je vais faire toutes les étoiles que je peux. Hein. Puis en live, on fera les étoiles vraiment manquantes, quoi. Mais tout ce qui est comète farceuse, etc., j'essaierai d'y faire. D'y faire comme ça. Comète d'ombre. Oh, je me souviens de celle-là. Elle est horrible. Enfin, pas horrible au sens dur, mais horrible au sens. un peu agaçante. Comète d'ombre en chemin. Devant ton double au royaume des abeilles. La musique. Nye. D'ailleurs, petite anecdote, si vous jouez avec Luigi, eh ben, ce sera quand même Mario qu'il faudra affronter. Déjà, j'ai fait un départ de merde. Bon, je pense que je vais gagner, hein. Vu l'avance que j'ai là, c'est clair. Enfin, remarque, j'arrive quand même à me prendre des murs. Enfin bon, voilà, hein, c'est l'erreur du débutant, vous voyez. Puis normalement, on dit plutôt la chance du débutant, en fait. Non, mais saloperie de miel. Perdu. Enfin, je sais pas, tu te prends un trou noir, normalement, t'as pas perdu, t'es mort. Réessayer. Sais, c'est pas le. Je vais pas perdre parce qu'il arrive avant moi, en fait. Moi, je perds parce que je me prends des trous noirs à cause du miel. C'est un peu stupide comme mort, mais bon. Je me demande ce qui se passerait si avec du TAS, on extrairait les piles exactement les boutons sur lesquels appuie en fait le joueur entre guillemets du Mario pas beau là, du Mario méchant, et que on le mettait dans un truc TAS, donc Twilight City Sprint Run, hein, pour qu'on fasse exactement les mêmes mouvements, qui gagnerait? Parce qu'on peut pas, les deux peuvent pas arriver en même temps. Et en plus les deux, je crois, ils peuvent pas se rentrer dedans, donc. Oh putain, oh c'était tellement chaud mec. Voilà. Parfait. Yeah. Royaume des abeilles devant ton double. Sauvegarder. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'il peut y avoir plusieurs comètes par niveau. Hein. Non, rien. Que dalle. Que dalle. Dalle. Oui. Pardon. 13h36. 13h36. 13 minutes 36, pardon. Enfin, maintenant, c'est 39 à peu près, mais voilà. Ça rame un petit peu, mais ça va. Allez, viens là. Coucou, Jamy. Oui, il t'en veut combien, mon ami? 400, encore 400? Ça va, c'est pas tant que ça. Enfin, je dis que c'est pas tant que ça, mais au final, j'en ai que 120. Mais bon. Enfin, maintenant, j'en ai plus du tout, remarque, mais. Position ennemie repérée, oui, c'est bon. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous voyez, on a même pas fait. Enfin, on n'a même pas fini Poussière d'étoile, on n'a même pas fait Forteresse rocheuse, ni Défi de la boule et l'autre truc là, et pourtant on a déjà débloqué ça. Comète rouge en chemin, oh! Ah oui, ah, oh, je me souviens de ce contre-la-montre là, il est horrible. Il est horrible celui-là. Comète rouge.
Il est chiant ce contre la montre là. Moi j'aime pas l'effet rouge sang que ça fait. On dirait comme dans les jeux d'horreur, tu sais. Donc là on est directement ici. Allez, pas de temps à perdre, on a que 4 minutes. Et ça a beau ramer, j'y arrive quand même. Donc, je veux pas dire, hein, mais voilà. Hein. Pourquoi est-ce que je fais le tour de la galaxie au lieu de... Enfin, de la planète au lieu de... Enfin, planète. Je sais pas si y a un petit truc de sphère comme ça, on peut appeler ça une planète. Hein. Moi, je dirais plutôt un déchet cosmique. Mais bon, après, chacun sa manière de voir les choses. Mais moi, c'est plus un déchet cosmique. Allez. Oh putain, ça c'est la partie chiante. Faut libérer les Toads parce qu'ils sont pas foutus de se libérer eux-mêmes. Et à chaque fois, je libère le Goomba avec. Hein. Oui, allez, on s'en fout là, Captain Toad. C'est bon, juste tu nous fais apparaître ton vaisseau là et puis voilà. Fais pas chier. Et là, je vais faire une safe state ici au cas où que je crève. Parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Ce sera chiant pour vous comme pour moi. En plus, je crois qu'avec un saut longueur bien placé, on peut aller directement à l'étoile d'après sans faire le tour, mais moi je prends pas de risque. J'ai trop peur de me foirer et de devoir de perdre. Ouh putain, c'était chaud ça. Allez, maniez-vous, putain, on s'en fout de votre animation. On est contre la montre, même si le temps est pas arrêté. Enfin, même si le temps est arrêté, pardon. Ah là, si je perds à cause des lags et que du coup ça me fait tomber dans le vide, là je rage. Hein. Enfin, remarque, là j'ai le temps. Mais quand j'étais petit, je galérais beaucoup plus que ça. Hein. En même temps, j'étais petit. Hein. C'est le principe d'être petit, c'est qu'on est petit. Voilà, évidence sur 20. Parfait. Et on va retourner ici pour faire l'autre étoile là où il y avait un Gwynfreluma. Oui, on aura fait cette galaxie. Elle aura duré longtemps d'empêcher cette galaxie. Hein. Poussière d'étoiles, elle dure longtemps, mais bon. Au moins, c'est fait. Qu'on le fasse maintenant ou dans un live après, ça change que dalle. Donc, autant le faire maintenant. Sauvegarder. J'aurais utilisé, n'empêche, que une ou deux fois les save states. Hein. Hop. Pam. C'est celle-là. Donc cette fois, je prends les fragments d'étoiles. Il en faut 50. Tant que je n'ai pas 50, je continuerai de les prendre.
si à tous les coups il y en a pile 50, ça ce serait méchant. Parce que t'en rates un, parce qu'au final t'en rates un et t'as plus rien quoi. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'il y en a quand même un peu plus de 50. Là, c'est... Oh putain. Non. Wow, bon, Rouloumane, c'est... La planète, elle est assez proche pour que je m'y colle. Mais non, mais non, mais non. Vu que je suis pas allé sur la dernière étoile, il veut pas, quoi. Allez, donne-moi les fragments d'étoiles, s'il te plaît. Allez, plus que 8. 8 tout petits fragments. Allez, Michel. C'est rien, 8 fragments. Putain, je vais devoir aller là-dedans pour 8 fragments quoi. Après je dois remonter, ça va me péter les couilles. Ah, Nintendo. C'est Nintendo hein, que voulez-vous? Voilà, 50. Et une vie. Bon, je dois retrouver l'entrée moi. C'est où? C'est là-bas. Là-bas. Non, il est où? Ah, il est là-bas. Ah, tu sais, si là, sans faire exprès, je clique sur le bouton et, et je vais tomber un morceau d'étoile et je dois y retourner. Non, c'est bon. On va manger plein, plein, plein. On dirait qu'il est penché, genre. Allez. Aval, mon gros, profite. Oui, je l'ai appelé mon gros. Et alors? Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation. Bleh. Oh, trop beau le Yoshi en bois. Vive les Yoshi en bois. Surtout quand ils sont en bois, ils brûlent plus facilement. Pardon. C'était plus fort que moi. Rassurez-moi, il y a une étoile quelque part. Je vais pas devoir tous les buter à la main non plus. C'était pas dans le contrat. Je me demande ce qu'on gagne si on saute sur tous les Goombas d'affilée. Vu que ça met un petit 2 quand je saute sur deux Goombas d'affilée. Donc si on saute sur tous, ça va mettre un 104. Ouais, ça met un 2. Trois. C'est vrai que celui-là il donne pas de fragments d'étoiles ni rien. Bon, en même temps, vu le nombre qu'il y en a, après on serait riche, mais bon. Ce serait une galaxie à farm en fait. Tout le monde farmerait les fragments d'étoiles ici. Surtout pour les lumagouins, c'est utile. On parle que Yoshi il crache du feu par ses trous de nez. Et que ça fait des dégâts en plus. Bon, en même temps, il y a les crottes de nez de Yoshi dans le feu, c'est dégueulasse. Ah, oh, c'est dégueulasse. 23 minutes, on a le temps de commencer la prochaine galaxie, je pense. Ah, c'est pas qu'on a le temps ou pas le temps, c'est que moi je préfère faire des vidéos de 30 minutes. Yoshi ? Oui, Yoshi, il a été transformé en bois, comme ça on peut le brûler plus facilement. Putain, je suis horrible, n'empêche. On va se faire une des petites galaxies là qui a une seule étoile, histoire que ça tienne dans la vidéo. Alors voyons voir, on a le choix entre Limbe et Défi de la Boule. Et bon, on va faire Limbe parce que c'est le plus simple. Et Défi de la Boule, il est pète couille, mais il est pète couille les Défis de la Boule. Sprint, allez gros, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est avec les notes là, je crois.
Là, je récupère d'abord tous les fragments et après on y va. C'est dangereux. De quoi de dangereux? Ah. Ah. Et je vais faire un safe state dès que j'arrive dessus. Safe state. Oh putain. Je sens que ça va me jouer des tours. Wow, c'était chaud. Et juste pour le fun, je vais détruire toutes les limbes. Oui, ça s'appelle des limbes, ces trucs. Pour le fun, je vais toutes les détruire. Et j'aime détruire, car c'est drôle. Vive la destruction. Oui, je vais vraiment m'emmerder à toutes les détruire. Hein. Quoi, je pense que c'est embêtant. C'est limite amusant. Allez. Putain, il va en rester. Mec, il va en rester 3 là. Oh yes. Non. J'ai pas pu toutes les détruire. Putain, je suis un gamin, n'empêche. Dommage, dommage. Combien de temps? Ouais, 27 minutes. Ouais, allez, on va faire le défi de la boule. Pas grave si ça prolonge de 2 ou 3 minutes. C'est pas comme si j'avais que ça à faire. Alors. Je vais devoir brancher. Enfin, mettre ma manette. Enfin, ma Wiimote. Merde, j'aurais pas dû. Faut que je mette en émulé. Parce qu'il y a cette partie là où je dois choisir l'étoile. Voilà. Je suis prêt. Ah, vous allez voir ce monde. Je pense que je vais mourir plusieurs fois. Allez, on casse la boule avec un marteau, on récupère l'étoile et ça va. Mais non, faut faire tout un truc chiant. Eh, je suis un panneau qui parle. Oh, putain, il s'appelle Panoda Fichage, le mec. Oui, c'était écrit, je m'appelle Panoda Fichage. Voilà, c'est la position de base, puis cette position de base incline dans la direction de ton choix. Eh ben merci, je suis pas con. Allez. Je préviens, je vais aller lentement. Allez. Yes. Ah. Bon bah je suis même pas mort. Moi-même je suis étonné de pas être mort.
Parfait. Et on va pouvoir s'arrêter là. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On est à 30 minutes 27 à peu près, hein. Et on va s'arrêter là. On a littéralement tout là. Et donc, prochaine fois, on fera Forteresse Rocheuse et si on a le temps, la galaxie avec Bowser. Et donc, on se dit eh bien, à la prochaine pour la suite. Ciao!